Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des sphères de pales en illimité et ça fonctionne avec n'importe quelle rareté de sphères. Par contre, ce glitch ne fonctionnera pas si vous êtes l'hôte de la partie. Vous êtes obligé d'être invité dans une partie pour que le glitch fonctionne. Donc quand c'est le cas, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est d'avoir une monture et ça fonctionne avec n'importe quel Pokémon qui peut se monter. Ensuite, il vous faudra une arme qui puisse viser, par exemple l'arc, l'arbalète ou un gun. Et il vous faudra bien entendu au moins une sphère de pales dans votre inventaire. Alors ensuite, quand vous êtes sur votre monture, que vous avez votre arme et que vous avez vos sphères de pales, ce que vous allez faire, c'est d'ouvrir votre inventaire et de lancer une sphère de pales en même temps. Donc vous spammez les deux touches en même temps et si vous y arrivez correctement, vous allez voir que votre personnage dans votre inventaire gardera la sphère de pales en main. À ce moment-là, ça voudra dire que vous avez réussi la première étape. Ensuite, la deuxième étape est très très simple, vous avez juste à descendre de votre animal, vous allez voir que vous aurez toujours votre sphère dans votre main, et à ce moment-là, vous allez sélectionner le niveau de rareté de votre sphère que vous voulez avoir en illimité. Ensuite, très important, pour ne pas utiliser toutes vos sphères, ce que vous allez faire, c'est d'aller près d'un coffre et placer toutes vos sphères à l'intérieur du coffre. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche tirer, et vous verrez qu'à la place de tirer une flèche, vous lancerez vos sphères en illimité. Donc si vous avez les meilleures sphères, là vous allez pouvoir capturer quasi tous les Pokémon instantanément en lançant un milliard de sphères. Alors information supplémentaire, si maintenant vous rappelez votre animal, votre sphère va disparaître de votre main. À ce moment-là, le glitch ne fonctionnera plus, vous ne pourrez plus lancer de sphères en illimité. Donc si vous voulez récupérer des sphères en illimité, il faudra juste récupérer une sphère qui est par terre ou alors une sphère dans votre coffre et ensuite vous allez pouvoir en relancer en illimité. Alors maintenant, si vous voulez arrêter le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement maintenir le lancer de sphère. Vous le maintenez quelques secondes et ensuite, quand vous allez la relâcher, vous allez voir qu'elle va disparaître de votre main et vous pourrez ainsi retirer avec vos armes normalement.